Jour 6, résurrection, bienvenue dans ce temps de l'Avent. Aujourd'hui est un jour particulier. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Je ne fais pas souvent référence à des éléments extérieurs, mais là, vraiment, c'est un jour très intéressant pour nous. Je vous raconte brièvement l'histoire de Saint-Nicolas. Trois innocents s'en vont glaner au champ. Ils tournent et retournent et finissent par se perdre. Il leur arrive un certain nombre d'aventures et ils finissent par arriver devant une maison, la maison d'un boucher, qui après trois coups frappés leur ouvre la porte et à leur demande « Pouvez-vous nous loger ? Nous nous sommes perdus. » Il répond « Il y a de la place, assurément. » À peine les trois innocents sont rentrés, qu'ils sont découpés et jetés au saloir. 7 ans plus tard, Saint Nicolas vint à passer par là. Il est avec son âne, il toque à la porte du boucher. Le boucher vient lui ouvrir. Saint Nicolas demande l'hospitalité. Mais à peine assis, il demande aussi à manger. Il refuse tout ce qui lui est proposé et il demande la viande qui 7 ans plus tôt a été posée dans le saloir. Le boucher comprend. Il s'enfuit. Saint Nicolas pose 3 doigts sur le saloir et du saloir sortent 3 innocents. Il s'étire longuement et le premier dit avoir bien dormi. Le deuxième dit avoir fait un beau rêve. Le troisième dit avoir été au paradis. Aujourd'hui, c'est le temps de la résurrection. De se rappeler que, quel que soit ce qui nous a divisés dans les familles, dans les couples, à l'intérieur de nous-mêmes, avec nos amis, le temps n'a pas de prise sur la vérité de l'amour, sur la vérité de la vie. Si je décide d'aimer, la vie est là, toujours, comme sortie d'un long sommeil. Elle attend votre retour de la conscience, le retour du baiser de la conscience, celui donné à la Belle au bois dormant. Je suis la Belle au bois dormant, je suis le prince, je suis le baiser. Je m'offre ce baiser, présent, cadeau du présent, de toute éternité. Je vous souhaite aujourd'hui une très belle résurrection.